Yo, Kosomina-san, Sopic Death, on se retrouve sur Planète Coaster pour une nouvelle vidéo. Vos créations, c'est une série qui n'avance pas bien vite, ma foi. Tout simplement parce que j'ai pas forcément beaucoup de demandes pour me dire est-ce que tu peux montrer ça s'il te plaît, Sopic. Voilà, bon, faut pas oublier que le jeu n'est pas sorti. Donc forcément, il y a beaucoup moins de monde. Je vais changer de coin, tiens, un petit peu, j'arrête pas de faire ça là-bas. Donc forcément, il n'y a pas encore énormément de gens qui peuvent jouer à l'alpha. Hein. Ça coûtait quand même 70€ l'alpha. Faut pas déconner. Donc voilà, donc épisode normal, hein, j'avais parlé de l'épisode Thrill Seeker. Donc je n'ai pas eu de demande des gens qui ont... qui ont acheté la version Thrill Seeker du jeu, qui leur donnait accès à l'alpha du 6 au 10 octobre. Donc je n'ai pas eu de demande. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai pas de visibilité. Enfin, je suis encore qu'un tout petit youtubeur. Hein. Et ou alors si c'est que finalement il y a très peu de monde qui ont joué. Ou si vous avez joué et puis vous vous êtes dit voilà, c'est pas possible, je peux pas mettre ça dans le workshop à côté des créations de folie qui traînent dans le workshop. Je ne peux pas mettre ma ridicule petite création. Alors c'était pour vous décomplexer, hein, c'était de toute façon une vidéo qui était intéressante dans le sens où ce qu'aurait été sympa de montrer, c'est à partir du moment où on a le jeu, on est un débutant dans le jeu, qu'est-ce qu'on est capable de faire comme ça en 4 jours, donc après ça dépend de votre emploi du temps, mais voilà, en 4 jours de maîtrise du jeu, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et pour moi, il y avait un intérêt à montrer que ce jeu-là n'était pas forcément que pour les psychopathes d'ingénieurs ou d'architectes qui font des créations de psychopathes, forcément. Ce jeu est aussi pour des personnes qui n'ont pas forcément de grosses maîtrises en termes de création, de structure et de choses comme ça. Et du coup, ça aurait permis effectivement de voir des personnes qui débutent un petit peu, de voir ce qu'elles sont capables de faire. Et du coup, qu'est-ce qu'on est capable de faire quand on obtient le jeu au début du jeu. Donc pour moi, c'était surtout cet intérêt-là, et puis de s'amuser en regardant quelques petites créations. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire si vous avez fait des créations et que vous vous êtes dit « Ah non, moi c'est trop nul par rapport à ce qui se fait, je peux pas montrer ça », surtout, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, allez voir dans le groupe Steam pour me poster un petit message, pour me laisser un petit lien, et voilà, je jetterai un œil, je vous répondrai, je vous demanderai si ça vous embête que je le montre ou pas. Et puis voilà, on regardera un petit peu tout ça. Ce serait fun. Allez, du coup, on continue. Alors, j'ai forcément été obligé de piocher dans mes abonnés, dans mes acteurs du groupe Steam. Et notamment du côté de Dr Papadodu, un nom que vous avez déjà entendu sur la chaîne, puisque c'est un prolifique créateur. Et nous allons voir tout de suite ses nouvelles créations. Alors, il y avait une... Vas-y, mais prends ton temps pour construire la maison, il n'y a pas de souci, on n'est pas pressé. Ça y est, t'as fini? Il y avait une house médiévale qui existait. Tac, tac, tac. Et il a décidé d'en créer une nouvelle et une plus grande. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Tac! Donc encore une fois, hein, je ne l'ai pas connecté au chemin, mais c'est pas grave. Juste petite piqûre de rappel, je vais aller le rechercher. Voilà, Small Medieval Restaurant. Donc voilà ce qu'il avait fait. Donc ça, on l'avait vu dans une autre vidéo. Je vais le poser en référence un petit peu plus loin. Et on va regarder un petit peu cette nouvelle création. Donc on a un food, on a un point information pour vendre les Priority Pass. Et des toilettes, un dab, et voilà, des bancs. Alors, est-ce que ce sont des vrais bancs? Non, ce sont des bancs de déco, donc personne ne viendra s'asseoir ici. Hop, ce sont des bancs de décoration, il y a la petite porte de service, le petit banc avec les petites plantouilles qui poussent au pied. Salut, mon Sopic, bonjour à tous. Voilà, c'est Kenshin, il vous dit bonjour.
Alors, la petite fenêtre, les petites plantes grimpantes avec les grilles. Alors, on a une très bonne ambiance. Hein. Moi, j'aime beaucoup hein, ces petites ambiances. Oh, bah, que c'est mignon ça. Oh là là, je l'avais même pas, j'avais même pas vu ce truc-là. Et on a les différents étages. Donc, c'est quelque chose qui est sur deux étages, plus encore trois étages, du coup. Il y a un étage sous les toits avec les petits balcons. La petite, ouais, il y a l'escalier, il y a petit, enfin le petit, non, le gros garde-corps autour de l'escalier pour éviter de se vautrer dans les marches. Et puis ensuite, on a le balcon. Donc très très bon petit détail. Ah bah écoute, ah la petite horloge qui va bien, que ça jolie. Ah, ce sont des arbustes, ça, d'accord. Tu as utilisé les arbustes pour faire style. La plante grimpante envahissante maîtrisée. Une petite glycine ici qui monte bien. Le petit balcon encore une fois. C'est très sympa. Hein. Ces petits espaces là. C'est vraiment très très sympa. Hein. Si jamais j'ai des dessins d'architecture à faire, hein, je pourrais peut-être venir vers toi. Tu pourrais me donner un coup de main. Ça peut être cool. Donc vraiment, vraiment une création sympa. Et on va regarder simplement la référence un petit peu derrière. Donc là c'était sur deux étages. Donc tu as rajouté un étage. Et puis en fait, t'es parti complètement d'un truc tout neuf. Moi, la question que je me posais, en fait, c'est si tu étais parti de ça, que t'avais décapité la maison et que t'avais essayé de changer un petit peu. Et donc, non, tu as fait une nouvelle création. Et la nuit va tomber. La nuit va tomber. Allez, suivant. Suivant. Ensuite, tu es parti sur du style japonais. Donc, on avait déjà présenté ici le Japanese Food Shop and Drink. Ici, nous avons le Japanese Hat Shop. Qui est de quel côté? Il est là. Donc, vous avez intérêt à avoir de la place hein, pour avoir un truc. Oh là là, c'est chouette. En plus, on va pouvoir le connecter celui-là. Alors, décale-toi un tout petit peu, s'il te plaît. Merci. Et voilà! Les gens vont pouvoir acheter des chapeaux. Donc voilà, donc on est toujours dans le style japonais, c'est toujours très bien fait. Alors par contre, du coup, ce que je vais regarder, tu avais regretté dans ton Food and Drink que la limite des mille objets, la limite du workshop, ne t'avait pas permis de faire le toit vraiment comme tu voulais. Donc on va voir un petit peu, parce que là, a priori, tu as pu faire un petit peu comme tu voulais. Effectivement, il y a plus de détails dans la toiture. On voit hein, ces petites barres là. Je sais pas ce que c'est exactement ça d'ailleurs. Non, c'est pas exactement ça que je voulais. Alors le système de sélection de ce jeu me sort par les yeux des fois quand même. Hein. Mais ma foi, c'est franchement très sympa. Là, effectivement, il y a un peu plus de détails, un peu plus de décor. Et le toit est vraiment vraiment classe. Hein. Vraiment classe, vraiment classe, vraiment classe. Donc les petites lanternes. Donc on est dans le même style. Hein. Hop, je vais me rapprocher un petit peu. Les gens n'en ont rien à cirer des chapeaux. Ah, si, si, oui, oui, oui. Les mamans jumelles qui amènent leurs filles. Ouais, youpi, youpi. Allez, on va aller regarder acheter des chapeaux. Des casquettes, des couronnes, des chapeaux de pirates. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? En tout cas, elle est au taquet là, madame. D'accord, trois casquettes et une couronne. Ça, c'est cool. C'est cool aussi qu'on soit la nuit. Ah, vachement sympa ta porte. C'était les mêmes portes. Ah, et voilà, je suis rentré dans l'immeuble, je suis coincé. Ah, au secours. Ah, voilà, ça y est. Ouh là là. Oui, c'était saoul. T'avais le même genre de porte ici ou pas? Non, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, très très sympa ta porte. Donc de nuit, c'est assez cool hein, avec les petites. Les petites lumières. Et puisqu'on en est de nuit avec les lumières, on va tout de suite regarder ton lampadaire. Hop là. Donc ton petit lampadaire, donc on voit hein, les éléments de colonne, le bois donc est mis en rouge, les quatre petits anneaux, histoire d'avoir des petits détails. Les petits éléments de poutre et les lumières, c'est... Ouais, ouais, c'est classe, c'est classe, c'est classe. Alors après, je sais pas, est-ce que tu as... Peut-être que tu voulais les mettre moins haut. Est-ce que ça marche moins haut? Je sais pas. Du coup, on n'a pas de notion de... Ah bah si, on a une notion. Effectivement, tu voulais les mettre moins haut. Parce que là, effectivement, là, il est quand même très très haut. Donc, tu as voulu le mettre à peu près, je sais pas trop. Allez. On va dire comme ça. Je pense que c'est plus comme ça. Et effectivement...
Au niveau de la lumière, là, on voit que ça éclaire un petit peu au pied, tandis que là, les lumières sont beaucoup trop hautes, ça éclaire rien du tout. Voilà, donc assez sympa, hein. J'ai envie de tester un truc, là. Est-ce que je peux... Allez, je vous retrouve tout de suite, j'ai envie de me faire un peu plaisir. Et voilà, je suis de retour, oui, je me suis fait mon petit plaisir. Bah oui, je voyais tous ces petits trucs japonais. J'avais envie un peu de me lâcher. Je me suis dit, on doit pouvoir créer quelque chose d'assez sympa. Et effectivement, je vais juste accélérer un tout petit peu, histoire que la nuit tombe vraiment. Hop, voilà. Et donc effectivement, on a quelque chose d'assez cool, hein. Alors, au niveau ambiance, les petits lampadaires là, les petits magasins japonais. Alors il aurait fallu remplacer, par exemple là c'était des chapeaux. J'aurais pu le remplacer par autre chose. Peu importe, histoire de ne pas avoir deux magasins de chapeaux côte à côte. Mais vous voyez que donc j'ai utilisé les lampadaires de Dr Papadodu, les deux bâtiments qui sont là et puis le gros que j'ai mis dans la perspective. Je me suis créé pour l'occasion des petits cerisiers, enfin petits, non, pas vraiment. Je me suis créé des cerisiers pour l'occasion, des cerisiers à fleurs, des cerisiers japonais, avec la technique de Gunsly 21, c'est-à-dire un arbre mort, vous voyez, hop, et puis là j'ai utilisé des Ironwood, qui sont donc couleur cerisier à fleurs. Pour créer, alors voilà, ouais, je l'ai pas bien fait là, une branche qui dépasse un peu, mais bon, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait vite fait. Les petits bancs, le petit revêtement qui va bien là, plus minéral plutôt que de l'herbe, et voilà, on crée tout de suite en a rien de temps. Hein, je vais pas regarder l'heure, hein, je sais pas en combien de temps j'ai créé ça, mais vraiment en pas longtemps, et voilà, ça crée quelque chose tout de suite d'assez classe. Hein. Ça crée quelque chose tout de suite d'assez classe. Allez, voilà, c'était les créations de Dr Papadodu. Et maintenant, nous allons repasser là-bas, du coup. Et nous allons voir un petit coaster que je n'ai même pas du tout essayé, même pas regardé. C'est le Castle of Whisper. Qui se traduit par le Château des Soupirs. Si je traduis bien. Je ne sais pas si je traduis bien. Alors, il est où le cucu? Il est où la tête? Je ne sais pas où est la station. Ah oui, si, la station est là. Comment on rentre? D'accord, par là, éventuellement. Ok. Donc, je pense que ça se met plutôt comme ça. Mais par contre, tu ne m'en voudras pas. Je ne créerai pas le chemin pour y accéder. Donc, quand je dis tu ne m'en voudras pas, de qui je parle? Je parle de Ronan Celt. Hop là, voilà, nickel. Donc je parle de Ronan Celt qui a créé ce château. Alors, on va aller voir tout de suite. Mais du coup, c'est un coaster. Allez, va-t'en, toi, on s'en fout, là, dégage. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, ça apparaît peut-être pas sur l'enregistrement, mais il y a un truc qui m'empêchait de faire ce que je voulais. Voilà, 997, donc on est au max, c'est ce qu'il disait, hein, si j'ai bonne mémoire, c'est qu'il n'a pas pu mettre la décoration. Mais au moins, il avait pu mettre un coaster plus sympa. Donc il met toujours plusieurs trains, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et là, on a la station, tac, 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 on arrive par là. Non, donc là, c'est la sortie, et on arrive par là, donc là, ça doit être l'entrée. Effectivement, ça doit être l'entrée. Donc si vous souhaitez utiliser ce coaster, hein, le Castle of Whispers, il va falloir créer un chemin là, une montée ici avec un escalier, hop, on passe par là, on se retourne, on remonte, et hop, 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 et on rentre. Voilà, pendant celle, tu me diras si je viens de dire une grosse connerie, mais a priori, c'est comme ça que je le comprends. Et on arrive au coaster, et on a ce petit, ce gros coaster qui tourne tout autour d'un gros château. Avec ici une petite partie dans le parc. Oulala, wow! Attends, tu rigoles même pas. Tu ne rigoles même pas. Et là encore, il y a pas mal de wagons, hein, que tu as mis. Et là, on a le, j'imagine le donjon avec une boucle à l'intérieur.
Écoute, on va se faire un petit tour de coaster. Où est la station déjà? J'ai pas besoin de me mettre sur la station, je sais pas pourquoi je fais ça. Start test, clac clac clac, hop. Site, et voilà. Et donc on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur vos créations. C'est une création qui a été surtout dédiée du coup au style japonais. Mais là on a le petit coaster de Dr Papadodu. Donc là on est peinard, d'accord, on arrive dans le donjon. Non, c'est pas dans le donjon, c'était la salle des trésors, pardon, genre n'importe quoi. Les gardes qui se mettent au garde à vous quand on arrive. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Allez, c'est parti, go go go. Voilà, un petit peu de sensation là, youhou. Du coup, c'est assez marrant de croiser les autres wagons. C'est assez fun. Voilà, on se retrouve à l'envers, ça fait mal à la tête. Youhou, allez. Go go go. Donc je vous dis à très très bientôt sur Soken Games pour d'autres vidéos avec d'autres créations et d'autres jardins royaux et autres joyeusetés sur Planet Coaster et également sur d'autres jeux. Voilà, ciao ciao, Jana.